Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans 60 minutes économie. On parle automobile, industrie automobile. Alors, 38 agréments définitifs octroyés sur plus d'une centaine de demandes, semble-t-il. Et la liste est encore ouverte pour le dépôt de dossiers d'agrément à la construction automobile. Importation de véhicules neufs également, l'importation de véhicules de moins de 3 ans, l'assemblage et la construction automobile, plusieurs marques apparaissent déjà sur les routes en tête de liste, Fiat, Chery, Hyundai, Jacques Gély, pour ne citer que cela. Une quarantaine de dossiers encore a été annoncé très récemment. Les opérateurs qui importent et qui doivent intégrer graduellement l'industrie automobile, 10% d'intégration automobile pour la première année, 20% pour la troisième année et 30% pour la cinquième année. C'est à partir de l'intégration que ces opérateurs bénéficieront des avantages fiscaux. On recense la demande nationale en véhicules, les chiffres sont très peu maîtrisés. On parle de 800 000 véhicules demandés pour le marché national. Beaucoup de questions autour de l'industrie automobile, de l'intégration automobile, des importations, mais également du cahier des charges auquel doivent obéir les opérateurs. Merci d'écouter 60 minutes économie. Nos invités au studio, M. Mokhtar Shahboub, ancien membre de l'UPIAM, Union des producteurs de l'industrie automobile, Monsieur Adel Bensassi au téléphone à partir de Digel, opérateur mécanique et président du cluster mécanique de précision, et Rachid Barchi de la Bourse de la sous-traitance de l'Ouest. 60 minutes économie, tous les jeudis de 13h à 14h. Merci d'assister à 60 minutes économie. Merci à notre invité pour le déplacement fait dans les studios. Merci à nos invités au téléphone. L'industrie automobile, par quoi commencer? Il y a, alors, sur les chiffres, on parle de 40 opérateurs économiques qui ont obtenu finalement, au bout d'un processus d'enregistrement sur la plateforme, et donc des agréments définitifs, une quarantaine. Alors, il y a un autre chiffre tout récent qui date d'octobre 2000, d'octobre fin 2023, qui est de 24 opérateurs. Alors, ce que les chiffres sont revus à la baisse, à la hausse, c'est une question que je pose à messieurs nos invités, à commencer par, si vous permettez, monsieur Shahboub, monsieur Adel Bensassi, président du cluster mécanique de précision. Quelles sont les informations que l'on considère comme étant des informations officielles, vous qui êtes aussi quand même dans la sphère de l'industrie actuellement? Est-ce qu'il y a 40 opérateurs agréés? Je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse. Nous avons sollicité le ministère de l'Industrie, M. Agoun Mokhded, chargé de l'intelligence industrielle et économique, devait être parmi nous, mais dernière minute, donc un changement de programme du côté du ministère, donc nous comptions sur sa présence pour répondre à toutes ces questions. Je réitère donc cette question, où on en est avec les agréments définitifs octroyés aux opérateurs, monsieur Adel Bensassi? Écoutez, bonjour à tous, d'abord merci pour l'invitation et puis bon ramadan à tous nos auditeurs. Effectivement, il y a une petite, comment dirais-je, un petit décalage au niveau des chiffres. Je ne voudrais pas remplacer le représentant du ministère de l'Industrie. Je tiens à insister sur un point. Qu'il y ait 24 ou 40 opérateurs activant dans le domaine de la construction automobile, c'est un chiffre qui est très important. C'est-à-dire que on voit l'engouement des constructeurs automobiles, non seulement pour le marché algérien, mais pour la destination Algérie en tant que terre d'investissement. C'est-à-dire que des entreprises qui se sont engagées à construire les véhicules et à respecter le cahier des charges avec les taux d'intégration que vous avez bien cités, sont des entreprises qui ne pourront pas uniquement se limiter au marché algérien, mais qui devront aller très rapidement vers l'exportation. Ça veut dire qu'il y a
un écosystème qui devra se développer. Je pense que plus il y aura d'opérateurs, plus ça favorisera l'émergence d'une véritable sous-traitance et l'installation notamment des équipementiers automobiles qui nous ont fait défaut ces dernières années et qui permettront justement d'atteindre ces objectifs de taux d'intégration. Donc c'est à mon sens très positif. Faut le prendre comme c'est-à-dire que il y a très peu de pays dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir plusieurs unités d'assemblage. Je reviens moi-même il y a 2 semaines d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est un grand pays industriel continental. Il y a actuellement 4 grandes marques automobiles, dont une américaine, une allemande, une japonaise, et je ne me rappelle pas la quatrième, mais en tout cas, vous voyez que de toute façon, à mon avis, l'engouement est là. C'est sûr que par rapport à ce pays qui se trouve de l'autre côté du continent, nous avons la proximité des marchés. La proximité, que ce soit avec le marché continental africain, mais aussi avec le marché européen. Et nous sommes reliés à toutes les autoroutes maritimes qui permettent d'aller au-delà. Donc vous considérez, M. Adel Bensassi, que... Oui. Alors, c'est vrai que sur la question des chiffres, on n'est pas très bien... On n'a pas de chiffres officiels, hein, puisqu'il y a 24 annoncés par le ministre lui-même à la fin de l'année 2023. Plus précédemment, toujours des informations qui émanent de la direction même que chapeaute M. Mordred Agoun, qui parle de 40 autorisations données définitives pour l'installation de l'industrie automobile. Je passe cette question à M. Rachid Barchi, qui est président de la bourse de sous-traitance au niveau de l'Ouest. Monsieur, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs, Ramadan Karim pour tous les Algériens, et bonjour à mes collègues Adel et M. Chabot. Pour la question de statistiques, bien sûr, on laisse ça, on laisse pour le ministère de l'Industrie de présenter les chiffres, et je pense que prochainement il y aura une conférence de presse dans ce sens. Afin de un petit peu réorganiser le secteur et donner plus d'informations sur le secteur de l'industrie automobile. Bon, ce qui est vrai maintenant, c'est-à-dire même les chiffres mois d'octobre à 24 déclarés par le ministre, maintenant le ministère, les dernières déclarations de 40, les chiffres ils sont en progression et je pense que les derniers chiffres annoncés dans les alentours de 40 opérateurs, c'est le bon chiffre. Et on laisse après au ministère de l'Industrie de confirmer le chiffre exact. Au-delà du chiffre, la question que je fais, à laquelle je pense, c'est 40 industries automobiles dans un pays. Est-ce que c'est utile d'avoir autant d'industries automobiles sur le marché national? Monsieur... Bon, je pense que les 40 agréments, ce n'est pas uniquement pour la construction. Les 40 agréments, c'est même des autorisations d'importation. Bien sûr, dans les nouveaux cahiers des charges, exigent qu'ils passent par l'importation. C'est-à-dire toute pour réguler le marché, parce qu'il y a un besoin. Elle est suivie avec des quotas différenciés. Oui. C'est-à-dire uniquement, justement, cette décision du pouvoir public, c'est justement pour stabiliser le marché et revenir au prix réel des véhicules qu'en Algérie, on a connu une forte demande et qui a causé aussi l'augmentation des prix des véhicules en Algérie. Maintenant, pour restabiliser le marché, l'État algérien, le gouvernement, ils sont passés par donner des autorisations d'importation avec des engagements de production. Alors, pour la production, je pense que le marché algérien, la moyenne, actuellement, il y a près de 800 000 demandes, c'est tout à fait normal, après 5 ans. 800 000 demandes approximatives, il n'y a pas d'indication très précise. C'est tout à fait normal, c'est pas après 5 ans de blocage, c'est tout à fait normal, il y a autant de demandes. Il y a des chiffres qui vont au-delà de 800 000, hein. Il y a des pronostics qui vont jusqu'à 1 million. Oui. De demande. On peut dire, mais nous, on doit voir la réalité du marché. C'est-à-dire sur la réalité du marché, sur les 6 mois autorisés pour Stellantis, il a importé dans les alentours de 75 000 si les chiffres sont bons. C'est ça, oui. Oui, et ça a commencé à stabiliser le marché. C'est-à-dire, déjà, ils ont commencé à stabiliser le marché.
Selon les dernières informations, je vous laisse terminer votre phrase. Selon les informations, l'année dernière, 2023, c'est près de 2 milliards de dollars consentis, financement accordé aux importateurs qui sont soit des industriels qui veulent investir ou pas forcément, que ce sont des importateurs de véhicules. 2 milliards de dollars pour un total de 100 000 véhicules. Oui, de 200 000 véhicules, exactement. 100 000. Et... Non, même il y a plus. Les 100 000, on a dépassé les 100 000 parce que ça veut dire, c'est le montant alloué. Ça veut dire, après, c'est le prix du véhicule qui définit la quantité. C'est-à-dire, c'est un calcul de trois. L'essentiel de cette opération, pour nous, autant que bouche de sous-traitance, c'est qu'est-ce qu'elle va apporter pour l'économie nationale. Et nous, on veut que cette industrie, ce côté économique, c'est-à-dire une partie du marché économique, qu'elle soit transformée en valeur ajoutée pour l'économie algérienne. Et c'est pour cela que les pouvoirs publics, ils ont demandé que ça soit une production, c'est-à-dire graduelle, c'est-à-dire transformer cette importation en production locale. Et c'est pour ça qu'ils ont exigé 10% jusqu'à aller à 30% à partir de troisième année. Même il y a d'autres constructeurs qui disent qu'ils vont dépasser les 50% d'intégration nationale. Et c'est ça qu'on cherche. 30% maximum au bout de 5 années. 30% maximum au bout de 5 années, mais il y a certains constructeurs qui disent qu'ils peuvent dépasser les 30%. Et c'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire c'est l'effet direct sur l'économie algérienne. Et pour cela, nous, en tant que bourse de sous-traitance, on prépare les sous-traitants, c'est-à-dire à faire face à cette demande. Parce que, merci. Sachant que... Oui. Sachant oui, que... Sachant, bien sachant que... L'industrie algérienne, c'est-à-dire de le côté de l'industrie automobile, c'est-à-dire on reste toujours dans les premières phases de notre développement. Et ce qui fait qu'il est très rare, c'est-à-dire difficile de trouver des sous-traitants. Et c'est pour cela que nous avons cette tâche en collaboration avec le ministère de l'Industrie pour développer le tissu industriel de sous-traitants. Actuellement, il y a aux alentours de 23 opérateurs, c'est-à-dire sous-traitants dans le domaine. Et avec un vivier, c'est-à-dire pré-sélection de plus de 250 opérateurs. Très bien. C'est ça l'essentiel. Oui, alors, s'il vous plaît, on va passer la parole à M. Chahboub et on discutera encore d'autres axes de ce thème. Je vais essayer de remettre un peu de l'ordre dans le déroulé de cette émission. On est peut-être un peu parti un peu dans tous les sens. On commence par une première problématique. Il y a une industrie automobile que l'on veut instaurer, 40 opérateurs définitifs. On leur donne une année pour commencer à faire du montage. Mm-hmm. Au bout d'une année, il y a un 10% d'intégration qui leur est demandé. Au bout de 3 années, c'est 20%. Au bout de 3 années, c'est 20%. Au bout de 5 années, c'est 30%. 30%. Voilà. Et c'est à ce moment-là que l'intégration, donc la sous-traitance, devrait se préparer, en fait, en collaboration avec les opérateurs économiques. La question que je souhaite poser, centrale, c'est 40 industriels qui sont des importateurs, qui doivent aussi, par l'importation, répondre aux besoins des consommateurs urgents et qui, en même temps, doivent investir et obéir au cahier des charges. Voilà la configuration globale de l'industrie automobile. Actuellement, de ces 40 opérateurs, il n'y a pas de production encore sur le marché national. Monsieur Mortin. Merci. D'abord, je souhaite, ça aide comme à tous les auditeurs, et je remercie la chaîne 3 de m'avoir invité pour m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur et que je suis d'une manière très, très permanente. Moi, je voudrais dire quand même, aujourd'hui, que le secteur de l'automobile, qui intègre, on a toujours tendance à parler du véhicule particulier, mais il intègre aussi, en travers du cahier des charges, le secteur du véhicule de transport de personnes, c'est-à-dire les caribus, il intègre le tracteur agricole, il intègre le cycle, le motocycle, donc il est c'est large. Global, un tissu, c'est la filière mécanique. Toutes ces familles pour dire qu'aujourd'hui, je considère que le secteur est encadré.
en travers des deux décrets qui ont été promulgués en novembre 2022, puisque nous avons un décret qui régit la catégorie des concessionnaires, avec leurs spécificités, avec des contraintes et des obligations. Et il y a le décret du 22 novembre 384 qui régit le secteur de la production automobile. Donc je suppose que dans les 40 agréments qui ont été donnés, il y a du concessionnaire et il y a du... Il faut savoir aussi que le concessionnaire bénéficie d'un agrément, mais qui a une limite dans le temps. Il faut qu'il démontre, c'est 5 années. On donne une concession pour 5 années. On importe, on voilà. Donne l'opportunité. Importation, oui. Et révisable au-delà de la 5e année. Et je pense que par rapport au marché, l'évolution du marché, ils seront soumis, et c'est le marché qui va être l'élément régulateur, à des quotas qui permettront donc de mettre sur le marché des véhicules et de préparer ces concessionnaires à éventuellement se transformer aussi en producteurs. Ça, c'est très important. Le deuxième élément, c'est maintenant le producteur, les constructeurs. Il y a quelques constructeurs qui ont été agréés, qui aujourd'hui sont en train de se préparer à lancer des productions de véhicules. Vous avez cité quelques marques, celle qui est la plus sur le terrain aujourd'hui qu'on connaît, c'est bien entendu Fiat. Oui, produit, Stellantis. Et qui va, Stellantis, le groupe Stellantis, mais oui, oui. Au sein du groupe Stellantis... Pour l'Europe, Fiat, pour les concessionnaires producteurs européens. Le véhicule Europe. Particulier. Donc il y a une production qui démarre, qui va être mise sur le marché incessamment. Donc là, je reviens pour dire que c'est quand même bien encadré aujourd'hui. Chaque opérateur qui va investir a un quota de production pour 500 000 Stellantis, 100 000 de ce qui a été annoncé, c'est Chery. Est-ce qu'on va dépasser la demande du marché à ce stade? Il y a des quotas, je parlais de concessionnaires qui pourraient être soumis à des quotas, puisqu'ils sont tributaires des autorisations, bien des sûr. Ministères du commerce. Mais pour le producteur industriel, dans travers la maturation de son dossier, il a annoncé des chiffres qu'il doit respecter. Bien sûr. Donc il y a des quotas qui sont définis et... Oui, oui, allez-y. Donc qui sont définis et je crois savoir que c'est des tranches de production qui sont définies, qui sont de l'ordre de 50, 90 jusqu'à 150 000. Oui. Donc on n'est pas prêt de satisfaire le besoin national en travers des productions qui sont lancées. Parce que le processus de production est quand même un processus capitalistique qui est long. Mais... Le fait que aujourd'hui les choses sont claires, on assiste à un engouement de certains constructeurs à venir s'implanter en Algérie et commencer à produire des véhicules, le marché étant vierge. Moi, je l'estimerais en travers des informations qu'on a eues. Qu'est-ce qui les attire à venir? D'abord, il y a environ le minimum, ça l'est incompressible, 350 000 véhicules à mettre sur le marché. Deuxièmement, quand on commence à produire, on accède au crédit et à la consommation, ce qui est très important. D'avoir donc pour le constructeur et pour le client, pour le consommateur. Oui, oui. Ça, c'est des éléments quand même importants. Plus tous les avantages qui sont repris dans les travers des cahiers des charges, différents tests, et qui donnent des avantages fiscaux, parafiscaux. Une question que j'adresse à M. Adel Bensassi également sur ce que vous venez de mentionner, c'est... Vous avez dit, M. Bensassi, c'est très rare, donc, les pays qui ont autant ouvert le champ de l'industrie mécanique à autant d'opérateurs. Alors, qu'est-ce qui attire ces opérateurs en Algérie? Importation, montage, construction. Écoutez, il y a plusieurs facteurs. Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est le futur de l'exportation? C'est quoi exactement? Écoutez, d'abord, il y a un marché, certes. Marché intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de certains chiffres qui étaient fluctuants. Moi, je tiens à reprendre un élément qui sert de repère, c'est-à-dire qu'on a importé jusqu'à 600 000 véhicules par an, tout véhicule confondu. Comme disait M. Chabot, il y a le lourd, il y a l'agricole, il y a les engins, il y a les véhicules de tourisme, etc. Oui. 600 000 véhicules tout confondu, c'est quand même très important. Mais pour autant, c'est-à-dire que bon, l'attrait du marché est là.
Il y a un cahier des charges qui oriente donc les concessionnaires, plutôt les marques, à venir s'implanter et produire ici en Algérie. Donc il y a des avantages comparatifs qui ont été octroyés. Il y a aussi les avantages naturels de l'Algérie, à savoir sa géographie, sa position géographique. Il y a aussi les coûts de production qui sont très faibles, qui sont compétitifs, je dirais. Faible est un mauvais terme. Je préfère parler de compétitivité, c'est-à-dire la disponibilité de l'énergie, une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui peut être formée, qui peut être perfectible, et une logistique pour un accès au marché européen et africain qui est là. Donc je pense que ça encourage tous ces éléments-là pour que, effectivement, les constructeurs vont venir. Mais je pense qu'il ne restera pas, autant de marques au bout de peut-être quelques années d'exploitation, parce qu'il y aura une sélection naturelle qui va se faire. Effectivement, ça a été justement dit, le marché va écrémer, ça c'est sûr. Et les aventuriers aussi ne resteront pas. Peuvent disparaître s'ils n'obéissent pas justement au cahier des charges. Absolument, parce qu'il va y avoir une surveillance. Mais je tiens à dire que le modèle qui est appliqué de cahier des charges et par rapport au taux d'intégration à atteindre a déjà été appliqué à un autre secteur qui est celui du secteur pharmaceutique. Mmh. Et on a vu qu'il y a eu quand même de belles success stories dans ce secteur-là. Et que donc, c'est quelque chose qui peut être duplicable pour peu qu'il y ait un véritable consensus avec ces constructeurs-là. Le consensus, il se fait avec les espaces intermédiaires. Vous avez la bourse de sous-traitance avec M. Bercher notamment, qui a fait un très bon travail avec les constructeurs pour pouvoir identifier quels étaient les éléments qui pouvaient être rapidement intégrés. Il y a un travail de mutualisation. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de véhicules qui, parfois même sous différentes marques, peuvent avoir des éléments communs. Je pense notamment à des plateformes, ce qu'on appelle les châssis, les boîtes à vitesse, les éléments d'entraînement, les moteurs, etc., qui sont communs. Pourquoi je parle de ça ? Parce que sans mutualisation, on ne peut pas atteindre les volumes nécessaires pour faire des économies d'échelle et atteindre des taux de rentabilité. Parce qu'à la fin, chaque entreprise est là pour faire du profit. Et il ne faut pas oublier pourquoi on parle de ce taux d'intégration. Parce que le taux d'intégration est aussi intéressant par rapport aux constructeurs. C'est-à-dire que l'État, quand elle parle de taux d'intégration, elle parle de valeur ajoutée pour l'économie algérienne, certes. Mais tout constructeur qui s'implante en Algérie a tout intérêt à avoir tout l'écosystème autour de lui avec les intrants nécessaires à l'assemblage des véhicules, parce que l'importation coûte cher. Il y a des coûts de logistique inhérents qui sont importants. Justement, donc, parmi les conditions du cahier de charge, pour vous parler donc de l'intégration, on a eu cette expérience fâcheuse des dernières années où la sous-traitance n'était pas présente, ne maîtrise pas tout ce qu'il y a trait à l'industrie mécanique. Il n'y a pas, on va dire, de composants qui oui. pouvaient répondre aux exigences des concessionnaires, des constructeurs d'avant. Qu'est-ce qui, à votre avis, la question, elle va être tournante. Aujourd'hui, oui. Quelles sont les conditions pour les sous-traitants ou pour les constructeurs de se faire accompagner par les équipementiers pour aider justement ce partenariat avec la sous-traitance locale et la développer, parce qu'elle reste quand même inexistante et absente. Question, tour de table, encore à vous la parole sur la question, Monsieur Barchi, Monsieur Mortar. Allez-y, Monsieur Adel Bensassi. Ah pardon, excusez-moi. Oui, effectivement. Je pense que les choses ont changé parce qu'il y a une véritable prise de conscience. On n'est pas là pour faire du gonflage de pneus, le président de la République en a parlé. Il y a eu un véritable travail d'attractivité qui a été fait avec notamment le groupe Stellantis et d'autres marques oui. qui sont en train de réellement de faire un travail de projection en mettant en exergue les différentes étapes. On passe de 20 000 à 50 000 à 70 000 à 150 000 véhicules par an avec un plan de développement, un plan à l'exportation, c'est-à-dire une véritable intégration aux chaînes de valeur internationales. Et c'est ça qui fait la différence par rapport aux projets initiaux qui étaient uniquement, je dirais... Au-delà des intentions, Monsieur Bensassi, au-delà de l'intention et de l'intention qui est donnée, quelles sont les prémices de cette sous-traitance ? Je vous Je vais laisser la monsieur, réponse aux gens de terrain. Restez quand même avec nous. Un,
un véritable travail qui a été fait, et je tiens à en être témoin, puisqu'on a été personnellement à aller voir ces constructeurs pour négocier avec eux les homologations des sous-traitants et des industriels locaux. L'expérience de la Bourse de l'Ouest, M. Barchi Rachid, quelle est l'expérience? Quel est le début du partenariat? Est-ce qu'il y a réellement des sous-traitants? Est-ce que vous pensez qu'il y a des opérateurs qui créent, qui répondent aux exigences des constructeurs pour intégrer des pièces dans l'Oranie? Comment se profile chez vous cette sous-traitance? Ce que je peux dire, c'est-à-dire toujours on a des entreprises championnes, on a de l'industrie, c'est-à-dire capable de répondre aux besoins des constructeurs. Mais l'environnement, il a changé actuellement, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une absence de la sous-traitance auparavant. Non, il n'y avait pas la volonté de sous-traiter. Il y a une différence, parce que c'était plus facile pour les unités de montage, je veux dire, même pas des constructeurs, c'était des unités de montage. C'était plus facile pour eux de faire le montage des pièces et de les ramener prêtes. Et le marché, il était preneur parce qu'il achetait, c'est-à-dire la véhicule telle qu'il coûte. Mais maintenant, ça a changé. C'est-à-dire les données, ils ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, aux premières des choses, c'est-à-dire qu'il y avait ce blocage. Alors, même s'il y avait du blocage, nous, on n'a pas arrêté de chercher. Hein. Même avec des instructions du ministère de l'Industrie, on a continué notre travail de trouver les sous-traitants et de chercher toujours à développer ce secteur, malgré qu'il était en blocage. Même dans cette période, on a les sous-traitants qui existaient, on a pu un petit peu les accompagner. Certains sous-traitants, ils ont exporté leurs produits, c'est-à-dire leurs produits, afin c'est-à-dire assurer la survie. En même temps, nous avons signé des conventions avec des constructeurs existants à l'époque. Il y avait TCPA, il y avait les Renault et Volvo Trucks. On a signé des conventions dans le cadre de recherche de sous-traitants et l'accompagnement de ces sous-traitants. Comment se prépare actuellement ce tissu chez vous? Il y a combien de sous-traitants? Quels sont les savoir-faire? Quelles sont les capacités de production? Quelles sont les certifications auxquelles ils doivent obéir pour être en partenariat avec des constructeurs? C'est simple. L'exigence, c'est deux termes. Alors, dans le premier terme, c'est la qualité. Dans la qualité, il y a des normes. Qualité et prix. Alors, quand on parle de qualité, c'est là où c'est vaste. Alors, quelle question qualité, il faut que l'entreprise soit organisée, elle doit avoir même la capacité de production, les capacités technologiques et industrielles, plus après, toute une organisation, le respect des normes, la certification IATF, bon, elle vient, c'est-à-dire par le temps, mais elle est exigée, c'est-à-dire après certains moments, c'est-à-dire après une année, il exige la certification IATF, parce que pour cela, pour le constructeur, ça concerne les vies, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont conduire des véhicules, ou là, dans transporter des personnes, c'est-à-dire il y a toujours un risque sécuritaire. C'est pour ça, c'est-à-dire ces questions des normes et de qualité, ils sont très exigeants, et même nous, en tant que, c'est-à-dire institution, même en collaboration avec le ministère, on est compréhensif dans ce point. Parce qu'en même temps, si une entreprise, elle va se développer... Est-ce que vous avez identifié le nombre de sous-traitants dans l'Oranie, par tout exemple? Pas dans l'Oranie. On travaille au réseau national. Mm-hmm. Tout à l'heure, j'ai déclaré, il y a actuellement 23 sous-traitants qui sont présélectionnés, c'est-à-dire ils sont en phase de travail, c'est-à-dire 11 déjà confirmés, c'est-à-dire ils ont fini déjà des protocoles d'entente avec eux. Ils ont six. Quelles sont les pièces, les pièces et les capacités, par exemple, de répondre en quantité? Je ne peux pas dire les capacités parce que chacun il y a des exigences. Ça diffère d'un constructeur à l'autre et d'un constructeur à l'autre. Mais parlant de modèles de pièces, il y a des sièges depuis... Des sièges auto, des sièges auto, des pièces plastiques automobiles, les pièces électriques. Il y a d'autres, hein. Il y a les batteries, actuellement ils sont en phase d'homologation, et d'autres, j'en parle. Hein. D'accord, alors, oui. Il y a les liquides de freinage et de refroidissement, tout ça, ça existe. Et en phase d'homologation, c'est-à-dire ils sont en phase finale, c'est
les tuyaux d'échappement et d'autres. Hein, j'en passe pour ne pas commencer à citer un petit peu des sous-traitants. Oui, la question à Monsieur Mokhtar Chehboub, est-ce que est-ce qu'on a une vraie organisation de la filière mécanique? Est-ce qu'elle existe? Elle est chapeautée par qui? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est libre partenariat et le choix du concessionnaire ou du constructeur à lui de rechercher ses sous-traitants, de les mettre à niveau, de dresser des normes? Comment est-ce qu'elle est organisée, cette sous-traitance? Écoutez, à l'échelle nationale, il y a des entités qui existent et qu'il faudrait maintenant rebooster d'une manière. Il y a l'organisme que préside M. Bensassi, qui est le cluster de mécanique de précision, qui est un parfait exemple de sous-traitance de haut niveau. Il y a l'UPIAM qu'il faut réactiver, qu'il faut essayer à qui il faut donner un peu plus pas de moyens, mais bien sûr, c'est les opérateurs qui donnent les moyens à l'UPIAM. Mais il faudrait encadrer cette UPIAM pour pouvoir aller vers cette... Pour le moment, ce n'est pas encadré. C'est des initiatives. Mais je pense que c'est dans une deuxième étape, puisqu'on parle beaucoup de sous-traitance, on parle beaucoup, ne l'oublions pas, et le président on a parlé, a vraiment pris une initiative extraordinaire, les fameux start-up qui aujourd'hui investissent dans le monde de l'électronique, dans le monde et dans l'automobile. L'électronique, maintenant, commence à prédominer. Donc, c'est très important. Donc, maintenant, l'état des lieux. Moi, je vous dis qu'il y a une base sérieuse pour véritablement démarrer à très belle échéance cette sous-traitance. Nous avions fait une évaluation pour les besoins des contrats qui ont été lancés par l'État, ceux de Mercedes et de Renault, et sur 256 sous-traitants qui gravitaient autour du secteur de la mécanique et de l'industrie, il en a été sélectionné 66 agréés qui ont eu leur certification et qui pouvaient très rapidement, moyennant la solution de certains petits problèmes plus liés au côté financier, s'investir dans la sous-traitance avec les grands constructeurs automobiles. Les grands secteurs qui sont donc les grandes familles de produits, je vous donne quelques chiffres pour vous dire que ça a été bien bien réfléchi. Vous savez que dans le domaine un peu d'une automobile, la tôle, aujourd'hui on a quand même des opérateurs qui investissent dans la tôle, des gros et des privés, il y a d'autres, 14% de la constitution de véhicules est constituée de tôle. Donc elle peut être prend effet la première année. La tendance c'est que à partir de ces décrets, il va y avoir une intégration progressive et assez rapide. Dans les plastiques, 2 à 3% de la valeur du véhicule est dans les plastiques. Dans le caoutchouc, 6% de la valeur du véhicule est dans les métiers du caoutchouc. Et les 5% dans les élastomètres. Dans la logistique, 12%. Mais la logistique nous rend très peu dans le calcul de taux d'intégration. Donc je dis par rapport à ce qui a été fait, nous avons identifié donc 66 sous-traitants qui pouvaient a priori dès le départ s'impliquer dans le processus d'intégration et de fabrication de véhicules. Maintenant, la relation avec le partenaire, c'est ça qui est important, avec le constructeur. C'est la quantité et c'est les normes. Le constructeur. Il faut relever quand même que dans le dernier décret, il a été quand même rapporté que le constructeur doit ramener des équipementiers et les mettre en association avec des opérateurs nationaux pour produire. Je pense qu'on a la base. Moi, je dis qu'on a la base, c'est Adèle pourra en parler, il est encore très près du sujet. Donc on a la base et on aura la technologie qui normalement se doit de venir de ces constructeurs qui sont en train de s'implanter. Fiat a déjà manifesté sa volonté à intégrer avec ses équipementiers, ses équipementiers à lui. Un peu. Et ça, le vis-à-vis, ça ne sera que le sous-traitant qui est implanté localement ou ceux qui veulent investir dans la sous-traitance. Dans ces domaines, on a les caoutchoucs, on a les pneumatiques, je crois qu'on a un opérateur maintenant qui est de plus en plus performant. Oui, bien sûr. Dans la sellerie, nous avons aussi des opérateurs qui produisent de la sellerie automobile. Oui. Dans les verres, il y a 5 opérateurs qui aujourd'hui produisent des pare-brises. Et qui exportent en plus. Donc, moi, j'émets un a priori très favorable, mais d'une manière globale. Je pense que la décantation, par rapport à la décantation, se fera dans les 3 prochaines années.
On a donné peut-être 42 agréments, il y a des concessionnaires qui vont importer, distribuer sur bas de quota ou autre, mais ce qui est plus intéressant, c'est de s'intéresser aux producteurs. Parce que c'est cela. Parce que dans les grands groupes internationaux, particulièrement dans le groupe Stellantis, aujourd'hui, il faut savoir que l'intégration ne se fait pas verticalement, elle se fait horizontalement. Le taux d'intégration entreprise, il ne dépasse pas les 20%. Donc il faut aller chercher 80% des autres composants auprès de la sous-traitance. Oui. Et cette la sous-traitance algérienne peut devenir très compétitive, moyennant un encadrement et un suivi de la part, et je souhaiterais que le ministère de l'Industrie prenne en charge ce dossier et suive ces sous-traitants, les encadre, les réunit, les booste, les met en relation avec les partenaires. Moi, je suis convaincu que dans les 3 prochaines années, les choses iront très, très rapidement. En tant que président du cluster mécanique, vous avez écouté M. Mourtar Chaboub qui dit un peu son opinion sur une organisation, comment elle doit être de la sous-traitance et elle est horizontale. Est-ce qu'elle est organisée aujourd'hui, cette sous-traitance? Il nous a donné les exemples des produits qui sont commercialisés, fabriqués, aux normes, certifiés, qui sont exportés, qui sont déjà pré-intégrés dans le secteur automobile. Quelle est l'organisation qui prévaut aujourd'hui avec les partenaires? Et est-ce qu'il y a les équipementiers devraient venir être en partenariat avec les éventuels futurs sous-traitants? Bien, effectivement, le problème des équipementiers ou de la chaîne de valeur a été posé déjà il y a une dizaine d'années quand les premiers projets automobiles ont été implantés. C'était de dire, parce qu'au début, les gens disaient oui, il n'y a pas d'industrie mécanique, oui. Plutôt, il n'y a pas de sous-traitance en Algérie, oui. Or que c'est faux. Or que ça fait 30 ans que depuis la mise en place d'une économie de marché, l'ouverture de l'investissement libre, etc., qu'il y a quand même beaucoup de sous-traitants qui ont gravité autour des grands complexes industriels d'État, et donc il y a eu le développement de la sous-traitance. Maintenant, pour l'automobile, on parle d'équipement. Pourquoi? Parce que ce sont des sous-ensembles qui vont être montés sur le véhicule directement. Il n'y a pas une décomposition pièce par pièce, unité par unité. Il s'agit notamment, par exemple, on parlait de la boîte à vitesse, on parlait d'ensemble de freinage, on peut parler de beaucoup de sous-ensembles, de climatisation. M. Chaboub a parlé très justement de la partie électronique qui prend de plus en plus de place dans la valeur du véhicule. Il faut savoir, pour certains véhicules, la partie électronique arrive à une valeur de 30% du véhicule. Oui, ce n'est pas rien. Tout ce qui est dalle, etc. Effectivement, que là, il y a de la place pour l'innovation, les startups. Oui, oui. Par contre, pour revenir à la partie mécanique, il y a un travail de proactivité qui doit être fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour jeter l'opprobre sur les uns par rapport aux autres. Nous avons été vers les constructeurs automobiles pour les sensibiliser par rapport à cette question, parce qu'il y a un intérêt commun. Vous l'avez fait de manière en initiative, libre initiative. Oui, oui, absolument, avec en coopération avec la bourse de sous-traitance, ce dont M. Birchi parle. C'est un travail, un véritable travail de fond. Quel est le vis-à-vis des opérateurs économiques? C'est qui dans la sous-traitance? C'est des individus, c'est des sous-traitants eux-mêmes, c'est la bourse, c'est l'industrie, c'est... Justement, dans l'écosystème, il y a plusieurs acteurs. Il y a la bourse de sous-traitance, il y a le cluster mécanique de précision, le ministère de l'Industrie, il y a la partie aussi financement, les partenaires financiers doivent être là pour accompagner le développement des entreprises, mais les vis-à-vis des constructeurs, ce sont les espaces intermédiaires. Chaque constructeur ne veut pas discuter avec un ensemble de PME ou de groupes algériens. Il s'agit d'avoir un vis-à-vis qui va mutualiser l'ensemble de ses capacités pour dire, voilà, quelles sont vos attentes? Où est-ce que vous voulez aller? Comment on peut vous accompagner? Et qui est-il, celui-là, ce vis-à-vis des parts de... Eh bien, écoutez, naturellement... Actuellement, c'est qui? Actuellement, la bourse de sous-traitance a fait un travail majeur et nous, en tant que cluster mécanique, nous les accompagnons pour mettre en valeur ou en exergue les capacités de production et la technicité de nos sous-traitants. Donc, considère qu'il y a deux vis-à-vis des constructeurs, c'est la bourse de la sous-traitance et le cluster lui-même, qui est censé apporter l'information
et recueillir l'information des sous-traitants, etc., de leur capacité à. Tout à fait, puisque notre métier premier, c'est la mutualisation. Donc on essaye de regrouper ces besoins-là et de mettre en exergue, comme vous disiez, les capacités nationales. Pour autant, les choses ne se voient pas parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Effectivement, M. Chaboub a parlé d'une chose, le ferrage, c'est-à-dire que la fabrication du châssis en Algérie va être un changement. Si je peux revenir, si vous permettez, à votre question de tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé? Du moment qu'on va fabriquer les parties de tôle et entre autres le châssis en Algérie, ça change complètement la donne, parce que c'est véritablement la base sur laquelle vont être posées l'ensemble des pièces mécaniques, électroniques, caoutchouc, polymères, etc. Si on n'arrive pas à faire le ferrage et à faire l'emboutissage ici en Algérie, on risque de rester effectivement sur notre faim, comme ça a été le cas précédemment. Mais vu qu'il y a un investissement qui a été fait en amont, non seulement minier au niveau de Rajbilet pour le minerai de fer, mais aussi à travers des sidérurgistes qui vont fabriquer les produits plats qui répondent aux exigences de l'automobile, parce qu'une tôle ordinaire n'est pas la tôle qui est utilisée notamment pour le châssis, est en train de complètement changer le paysage et c'est pour ça qu'on a pleine confiance en ça. Maintenant, il faut faire attention, et là je passe un message à tous nos partenaires constructeurs, c'est maintenant qu'il faut agir, parce que si le coup près tombe au bout de 3 ans ou de 5 ans en disant vous n'avez pas atteint les taux d'intégration, ça risque d'être problématique. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper, et nous sommes là pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retomber dans les mêmes... travers. Oui, c'est absolument. Absolument. Et encore une fois, l'intérêt, il est double. Pour nous, bien sûr, c'est la valeur ajoutée. Pour le constructeur, c'est aussi une valeur ajoutée d'avoir tout un ensemble d'équipementiers, de sous-traitants locaux. Vous avez une idée de ce qui a été identifié par le cluster mécanique? Vous êtes à combien, par exemple, de sous-traitants? Je vais vous dire, la mécanique de précision est une industrie primaire, donc c'est une industrie de soutien. Nous sommes là pour accompagner l'ensemble des équipementiers qui voudront s'installer pour leur fournir la fabrication des moules, la fabrication des outillages de presse, la fabrication des éléments, des machines qui vont servir à la fabrication des équipements, et en plus de ça, bien sûr, la maintenance industrielle. Donc nous, en tant que mécaniciens, on intervient en rang 2, dans tout ce qui servira à l'intégration du secteur automobile. Et j'en tiens pour preuve, tous les secteurs qui ont été cités, notamment le verre, le caoutchouc, etc., sont nos clients. C'est-à-dire que nous intervenons déjà dans la fabrication des filières, dans la fabrication des couteaux pour la coulée du verre, dans la fabrication de moules, etc., etc. Donc voilà, notre positionnement pour nous, il est très clair. Et sans ça, ce serait impossible d'avoir le développement d'une industrie de production en Algérie. Merci, monsieur Rachid Barchi. La question identique un peu à celle posée à monsieur Adel Bensassi, en tant que vis-à-vis, en tant que partenaire, en tant que conseiller, on va dire, des opérateurs investisseurs dans l'industrie automobile. Quels sont les rapports aujourd'hui que vous avez? Vous les avez approchés, vous en approchez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Bon, notre relation, elle est directe et elle est constante. C'est-à-dire, elle est en continu. Quelles sont leurs demandes? Quelles sont leurs attentes, eux, de la sous-traitance nationale? C'est-à-dire, vous parlez des constructeurs. Bien sûr. Il y a une série d'exigences. Alors, il y a une série d'exigences. Il y a des items par phase. On parle de phase 1, c'est-à-dire leur choix, c'est-à-dire selon le marché local, qu'est-ce qui existe en marché local, et aussi par rapport au temps d'homologation des produits. C'est-à-dire en phase 1, on va commencer avec les pièces les plus simples et ceux qui existent déjà sur le marché local, tels que le pneumatique, tels que le câblage, tels que... le vitrage, ça, c'est en phase 1. C'est-à-dire, on les a sélectionnés ensemble. Pour vous dire, c'est-à-dire, le rôle de la bourse de sous-traitance, on était, c'est-à-dire, direct, et on est rentré même dans le vif du sujet, même sur le choix des sous-traitants avec lesquels commencer. Parce que même il y a certains
item qui était écarté, nous avons demandé qu'il soit mis, c'est-à-dire en phase 1, telles que les batteries. Avec 14 usines de fabrication de batteries, on voit mal pourquoi en Algérie, on ne sélectionne pas les batteries, c'est-à-dire en phase 1. Et c'est pour cela que le choix il a été approuvé. Et maintenant, les batteries sont sélectionnées en phase 1. L'un des problématiques, c'est-à-dire, même si on choisit les sous-traitants, c'est-à-dire maintenant, c'est les accompagner. Et c'est le temps d'accompagnement qui pose problème. Il y a certains sous-traitants qui sont très rapides, dynamiques, et leur mise à niveau, c'est-à-dire, si on peut parler dans ce contexte, c'est-à-dire leur préparation, c'est-à-dire aux exigences et répondre aux exigences réglementaires et même exigences managériales, c'est-à-dire ça prend du temps d'un sous-traitant à l'autre. La deuxième problématique, le problème, c'est-à-dire qui existe, il y a la fédération, c'est-à-dire les sous-traitants, ils n'adhèrent pas aux organisations ou bien aux bourses de sous-traitance. Et c'est ça que M. Chabot, il a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'organisation un petit peu... Il faut que les sous-traitants s'identifient dans les sous-traitants ou bien dans les associations qui sont connues, reconnues, afin qu'on puisse mutualiser nos efforts. D'accord. Parce que certains sous-traitants, même on les a cherchés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire on a trouvé certains sous-traitants sur les réseaux sociaux, on les a appelés pour les demander à fédérer et faire le recensement de leurs capacités. Et en plus de ça, c'est-à-dire on n'arrête pas de sillonner tout le territoire national. À chaque fois, c'est une région, à Tlemcen, à Gigel, il y a 15 jours avec Renaud, on est parti à Alouette, on est parti à Gigel, on est parti à Constantine. Donc, on a sillonné tout le territoire national pour trouver les sous-traitants et visiter leur unité de fabrication. Oui. Parce que ce n'est pas uniquement de trouver, il faut voir des capacités. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, c'est l'opérateur lui-même qui doit aller faire superviser, regarder sur le marché ce qui se fait, visiter, visionner, voir la faisabilité du partenariat. Ce qu'on demande à l'opérateur, c'est qu'il adhère aux organisations, aux bourses de sous-traitance ou bien aux chambres de commerce le plus près pour les opérateurs, c'est-à-dire pour les constructeurs. Mmh. S'il veut être en direct avec le constructeur, je vois mal s'il n'adhère pas au cluster ou bien à la bourse de sous-traitance. Et après, il dit que je ne suis pas consulté parce que vous n'êtes pas identifié, la première des choses. Oui. On laisse la parole à M. Mokhtar Chehboub. Moi, pour un peu... voir un peu très, cette très équation. Très volontariste et je tiens compte un peu de l'existant. Sous-traitants, opérateurs et les constructeurs. Les trois derniers salons spécialisés dans le domaine de la mécanique, la sous-traitance que j'ai visité, j'ai été étonné par l'évolution un peu du nombre de participants, de la qualité de ces participants. N'oublions pas, parce qu'il faut en parler, aujourd'hui, une grosse entité qui s'érige en donneur d'ordre et en preneur d'ordre, c'est la fabrication militaire. Qui aussi travaille en relation directe avec ces opérateurs, qui, autant vous allez dans les foires qui sont organisées, ils sont présents, ils sont très en masse, présents. Ils proposent leurs services et ils demandent de la sous-traitance. C'est ça qui va booster cette sous-traitance. Deuxième élément très important, et là je souhaiterais qu'il en dise un mot, si c'est Ben Sassi, Adel, c'est un peu l'avènement des centres de technologie industrielle. Le premier a été créé à Constantine. Le deuxième, normalement, il est presque près de... ils ont été créés sous l'égide du ministère de l'Industrie. C'est pour le départ. Mais les CETIM, c'est normalement les opérateurs qui se fédèrent pour créer ces CETIM, c'est mettre en commun des moyens d'études, de logistique, de contrôle, d'essais destructifs, non destructifs, pour répondre aux besoins spécifiques, parce qu'ils sont très onéreux, ils devraient investir dans. Donc CETIM, c'est un élément... Les sous-traitants aujourd'hui qui sont sur le marché, mais qui sont peut-être méconnus encore, parce qu'il n'y a pas d'industrie automobile. On commence à peine, déjà la démarre et tout. Donc ils vont progressivement... Le machinement agricole, qui est très demandeur. Et aujourd'hui, le machinement agricole est en pleine expansion. L'agriculture qui se développe, il y a énormément de choses qui se font. Donc je pense, moi, j'aimais vraiment un a priori très, très positif par rapport à ça. Je voudrais quand même dire quelques mots à propos de l'industrie automobile. Vous savez, aujourd'hui, je la définis en trois phases pour savoir comment on produit un véhicule. Je vous le dis en cinq minutes. Il y a trois phases essentielles. La phase montage, la phase ferrage, qu'on appelle ferrage, constitution de la boque, de la coque et tout, et à la phase emboutissage. La phase la plus capitalistique,
et qui nécessite énormément d'argent et qui impacte beaucoup les prix de revient, c'est l'emboutissage. Je sais qu'elle est la ligne. L'emboutissage. Très très cher. C'est les presses pour produire les pièces, les formes des pièces. Oui. Vous savez que notamment la tôle. À chaque évolution, au-delà de la tôle c'est un input, une matière première. Quand on veut changer la forme d'une aile d'un capot, il faut changer les outils. Et les outils, je vous donne un chiffre global qui peut être vérifié, 200 millions de dinars par véhicule. Pour acheter les matrices. Avec pour une changer durée, juste le design, il faut à chaque fois réinvestir. Limitée, puis ces constructeurs ont des gammes qui évoluent très vite. Tous les ans, il faut faire évoluer. Donc l'emboutissage est un élément. De grands constructeurs ont abandonné le secteur de l'emboutissage au profit d'une sous-traitance qui agit pour l'ensemble beaucoup d'autres constructeurs. L'activité la plus intéressante, c'est ce qu'elle parle du ferrage, c'est-à-dire on assemble ces pièces primaires pour en faire déjà une première coque, et c'est là qu'on donne la carte d'identité du véhicule, et qu'on peut dire que ce véhicule est produit made in Algérie. Localement, exactement. Made in Algérie. C'est au niveau du ferrage, il y a une opération très précise, on appose l'immatriculation gravée sur le véhicule pour dire c'est bien ça, c'est Adel. Le numéro de châssis, absolument. Numéro de châssis. Donc ferrage, montage, et fait appel à la sous-traitance. Et les constructeurs ont tout intérêt c'est-à-dire à faire c'est-à-dire sur appel les à... trois vies de la construction automobile, le plus capitalistique, c'est l'emboutissage. L'emboutissage, mais aujourd'hui, les constructeurs qui viennent ici, l'emboutissage, ils la traitent parce qu'eux-mêmes sont en train de s'en... Il faut aller sur le ferrage, la peinture. La peinture, maintenant, on a des normes, et qualitativement, on demande maintenant des... Vous voyez maintenant des constructeurs qui vous garantissent un véhicule pour 10 années. C'est quand même un élément déterminant au niveau commercial. Une ligne de peinture, traitement de surface et peinture, c'est 200 millions de dollars. Ouais. Et le montage qui est un élément accessoire. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir un véhicule où l'on appelle « Made in Algérie », il faut intervenir sur la première monte ou la deuxième monte sur les trois phases. Il faut intervenir sur ce que j'appelle le ferrage et la peinture et le montage. À ce moment-là, on peut parler de... Et ça va booster les sous-traitants parce qu'on est dans l'obligation de proposer aux sous-traitants la production d'input. C'est des milliers de pièces qui sont proposées à la sous-traitante pour pouvoir les monter et constituer la coque du véhicule. La peinture, c'est un process, c'est pas un problème. Les nappes font de bonnes peintures. Ils ont même commencé à intégrer les peintures spécifiques pour la cataporège. Donc, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Quant à maintenant l'emboutissage, à mon avis, c'est un avis que je donne et je m'adresse peut-être à l'industrie pour donner cet avis, c'est peut-être amener les équipementiers, si on veut vraiment faire l'emboutissage, à accepter le principe d'un échange de produits. Je produis une pièce, une aile, pour moi et pour eux. Oui. Et on... N'est-ce pas, Adel ? C'est du gagnant-gagnant. C'est la mutualisation. Il doit mutualiser ça avec ses usines. Ce qui amènerait même ses usines à connaître nos sous-traitants et commencer un peu à tirer des profits d'un peu des avantages comparatifs qu'on propose aux constructeurs. Donc il faut une politique, Adel Bensassi, ce sera la dernière question pour terminer cette émission. C'est-à-dire que du côté algérien, il faut partir à... avec un rapport de force qui doit être du côté algérien pour dire que oui, il y a de la sous-traitance, oui, il y a une possibilité de produire toute la chaîne. Absolument. De toute la chaîne automobile sur les trois phases, aussi absolument. Bien l'emboutissage avec la condition d'offrir également ces produits aux constructeurs sur d'autres marchés. On peut intervenir sur les trois vies du véhicule, M. Bensassi, avec ce que nous avons aujourd'hui comme savoir-faire et produits, production. Oui, tout à fait. Pourquoi je parlais de la montre ? Et à quelles conditions ? Il y a des conditions, encore une fois, c'est les volumes. C'est-à-dire que si les constructeurs installés ne se satisfont pas uniquement du marché local, mais vont vers l'exportation, c'est à mon sens l'unique levier qui servira au développement d'une industrie locale et permettra les investissements lourds dont parlait M. Chaboub, les systèmes de presse, d'emboutissage, les outillages. Il faut combien de milliers de voitures pour permettre une industrie d'équipement ?
Alors, pour un seul modèle, on parle de 250 000 à 350 000 véhicules par an pour atteindre le break-even point, c'est-à-dire le point d'équilibre, d'accord, par rapport au retour sur investissement. Mais c'est largement faisable et c'est pour ça que je vous disais que le marché local n'est pas suffisant et il faudra aller tout vers le régional, absolument. Et, comme vous disiez, l'infrastructure qualité, c'est-à-dire la partie tierce, notamment on parlait du centre technique des industries mécaniques. Oui, oui, c'est ça, la formation. Moi, j'allais aborder la question de la formation professionnelle, mais finalement, il y a des formations plus de précises, très spécifiques. Exactement. La formation professionnelle est un élément clé, mais il n'est pas suffisant. L'infrastructure qualité, c'est-à-dire et les normes et les normes, certification, l'engineering, exactement, et les parties tierces. Moi, si je qui peut déclarer une conformité? Est-ce que ça va être le constructeur, le sous-traitant, et dans le cas de conflit, qui va être à même de trancher? Et là, c'est très important parce que eux interviennent aussi bien en amont pour la formation que en aval pour l'inspection. Que ce soit en ligne ou l'expertise après fabrication. La question sur les équipementiers aujourd'hui, est-ce que vous avez connaissance ou entendu dire qu'il y a, ou alors vous-même un peu posé cette problématique de ramener des équipements, enfin ramener, de se mettre en partenariat avec des équipementiers? Complètement, et c'est aux constructeurs de faciliter les choses. Nous sommes là en tant que partie prenante pour le développement de l'industrie automobile, puisque nous avons tout intérêt à développer la fabrication tous azimuts. Mais s'il n'y a pas une volonté des équipementiers, des constructeurs de ramener leurs équipementiers, parce que c'est eux qui donneront le là. Oui. C'est à eux de leur dire, nous voulons nous implanter. Ils sont censés les ramener à quelle période, à quel moment, une année après Exactement. Après passer la première année, il faut absolument... À la troisième année. Ah oui, oui, oui. C'est une exigence, en tout cas, dans le cahier des charges. S'ils veulent atteindre les niveaux d'intégration voulus par le cahier des charges. Si les opérateurs ne... Cahier des charges, je vous donne la parole pour clore cette émission. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est assez complet? Moi, j'ai commencé par dire que c'est un élément qui encadre très bien maintenant le processus, puisqu'il permet des constructeurs splinés de la règle 49-50, ils sont maintenant la possibilité de faire. On leur donne la possibilité, dans un délai relativement correct, d'intégrer cette taux d'intégration en travers la sous-traitance nationale. On leur dit qu'il faut ramener vos équipements, c'est noir sur blanc, c'est pas l'article, mais c'est dit. Dans le cas du non-respect, qu'est-ce qui ne va pas se passer? Ben, le respect, il faut qu'il est défini. Comment donc, au niveau du ministère de l'Industrie, on allait interpeller ces constructeurs pour les amener à... Voilà, ils ont un agrément. Retrait de l'agrément, départ, et puis... Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mokhtar Chehboub, ex-membre de l'UPAM, Monsieur Rachid Barchi de la Bourse de la Sous-traitance Algérie, et Monsieur Adel Bensassi, président du cluster mécanique. Merci beaucoup.